du tzigane Yashko et de la mort. Il était une fois un tzigane qui s'appelait Yashko. Il avait pas mal roulé sa bosse. Il revenait de la guerre où il avait servi comme soldat, mais la guerre était finie. De l'autre côté de la rivière, il y a une vieille avec un troupeau d'oies qui crie « Hé ! Laisse passer mes oies d'abord !» Pense au sac de la vieille. Il regarde une belle miche de pain toute dorée et il dit entre ses dents « La miche va dans le sac !» Alors il pose son sac et il l'ouvre. Mais c'est comme la vieille a dit. Une belle miche de pain, encore toute chaude. Les murs sont tendus de noir. Tout le monde porte le deuil. Il y a des femmes qui pleurent. Alors Yashko arrête un passant dans la rue au hasard. Hé, l'ami, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu n'es pas d'ici, toi, hein? Eh bien, je vais te dire une chose. Tu aurais mieux fait d'éviter notre ville. Parce qu'il y a 3 mois, un dragon s'installer dans la plus grande fontaine de la ville. Les hommes portent des torches. La seule à être vêtue de blanc, c'est la princesse. Elle marche devant nous et elle pleure dans les rues de cette ville inconnue. Éclairée à la lueur des torches, dans la nuit qui tombe, tout le cortège arrive sur une grande place. Yashko, on est venu. Alors Yashko, il regarde bien la mort dans les 2 trous noirs qu'elle a à la place des yeux et il dit « La mort va dans le sac !» Alors vous avez quoi? Yashko laisse la mort dans le sac. Pendant 1 an. Avec le dragon. Non, parce que le dragon, il a déjà été complètement écrabouillé par le forgeron. Seulement le temps passe. Alors peu à peu, Yashko commence à devenir vieux. Et puis il devient de plus en plus. Puis un jour, il devient tellement qui n'arrive plus à marcher. Mais oui, alors il est obligé de s'arrêter là, au bord de la route. Oh là 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 là. Mais j'ai une bonne vie. Mais j'ai rencontré toutes sortes de gens très intéressants. Et puis j'ai jamais manqué de rien, j'avais mon sac. Mais quand même, la princesse j'avais sauvé du dragon. Elle était belle. Alors Yashko a une idée. Il se concentre très très fort et il dit « Ma vieillesse, va dans le sac !» À la grande surprise des gardes, la princesse accepte de recevoir Yashko. Alors Yashko se retrouve dans la salle du trône avec la princesse là, assise en face de lui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette princesse? Ah oui. Alors Yashko regarde bien la princesse de la tête aux pieds dans ses moindres détails, se concentre très très
fort et il dit « La vieillesse de la princesse va dans le sac !» Et voilà que la princesse, elle est comme quand elle avait 16 ans.